Alors, il y a certaines personnes qui m'ont demandé d'expliquer comment servir du chapelet, et puis à quoi ça sert, et puis comment au mieux l'utiliser, etc. Alors déjà, je vais vous montrer le mien que j'ai acheté à Medjugorje. Alors j'en avais aussi un autre avant, mais j'ai trouvé que celui-ci était tellement beau, puis ça coûte 1 ou 2 euros là-bas. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec les prix que vous trouvez dans des boutiques en France ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, donc ça se présente comme ça un chapelet. Hein. Vous avez d'abord la croix. Ensuite, vous avez normalement une petite. Alors, parce que je ne sais pas lequel que vous aurez, mais normalement, il y a une espèce de petit symbole. Alors, le mien représente le Christ et Marie. Vous avez ensuite trois perles, puis encore le même symbole. Et là, eh bien, vous commencez avec les mystères. Bon, alors, je ne suis pas spécialiste du chapelet. Je m'y suis mise, je vais vous dire, avec beaucoup de mal, beaucoup de peine, j'avoue. J'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que ça me semblait complètement casse-pied, ennuyeux. Alors, je vous le dis vraiment tel que je l'ai vécu. Et donc, c'est pour ça, comme je n'arrivais pas à le faire, eh bien, je regarde NDLM sur YouTube. Et donc, je le fais en même temps qu'eux, quoi. Parce qu'eux, ils connaissent exactement au départ. Alors, on dit « je crois en Dieu ». Puis ensuite, il y a un autre Père, ici. Et ensuite, vous faites trois fois « je vous salue Marie » et un « gloire au Père », ici. Et vous commencez avec le premier mystère. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas trop comment faire, je vous conseille cette chaîne YouTube qui est excellente. Ils chantent extrêmement bien, en plus, tous très, très bien. Donc, c'est toujours agréable parce que vous pouvez aussi prier en chantant, hein, dans votre voiture ou même dans votre tête. Vous pouvez faire le chapelet en faisant vos courses, en allant vous promener, n'importe quand. Et ça, c'est bien. Personne n'a besoin de savoir ce que vous faites dans votre tête, hein. Donc, si vous avez envie d'égrener le chapelet, ça, c'est par exemple 10 fois « Je vous salue Marie ». Et puis après, vous recontinuez. Et ensuite, eh bien, vous continuez. Alors, il y a en fait la méditation concernant ce qu'on appelle des mystères, qui sont des moments de la vie de Jésus. Alors, vous avez quatre mystères, lumineux, glorieux, douloureux et joyeux. Ça aussi, on vous expliquera, hein. Et en fait, le faire le chapelet, ça sert aussi à se remémorer les événements dans la vie de Jésus, par exemple, bah, les plus douloureux, enfin les mystères douloureux, les plus marquants, j'allais dire, c'est quand, par exemple, il a préparé son agonie dans les jardins de Gethsémani, où il a compris que bah, il allait aller vraiment au sacrifice, et donc il était dans le doute, donc il a prié toute la nuit, et ensuite il a été arrêté, hein, enfin bref, vous connaissez quand même l'histoire. Donc ça, c'est une partie des mystères douloureux. Ensuite, il y a la flagellation, la couronne d'épines, le portement de la croix, et puis évidemment la crucifixion et la mort. Donc tout ça, eh bien, vous y repensez en même temps que vous faites le chapelet, hein. Donc par exemple, on est lundi aujourd'hui. Alors, je ne sais pas lequel, hein, je ne sais plus si c'est lumineux, glorieux, joyeux, des mystères. Vous pouvez découvrir ça de toute façon aujourd'hui à 19h30 sur NDLM. Et donc, les personnes dans cette émission vont évoquer donc un des trois mystères que j'ai évoqués, parce que le mystère douloureux, normalement, ça doit être, je crois que c'est le mercredi et le vendredi. Enfin, en tout cas, ça devrait. Enfin, bon, peu importe, vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein. Et voilà, quoi. Donc, vous pouvez le faire avec eux. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que j'aime pas les répétitions, moi. Voilà, hein, faire 10 fois un hein, je vous salue Marie, je me dis mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on répète toujours la même chose? Et en fait, je me suis aperçue, en plus j'aurais dû comprendre plus tôt, hein, que ça vous fait vous mettre dans un état spécifique. Alors, normalement, il est dit que quand vous faites des répétitions comme ça vous laisse un peu l'esprit libre de justement méditer sur les mystères, par exemple les mystères douloureux, parce que vous faites donc un, comment dire? C'est un automatisme, mais en même temps, ça vous laisse l'esprit libre pour méditer davantage la vie de Jésus. Mais moi, je me suis aperçue aussi que ça mettait en transe. Et ça, j'aurais dû le comprendre plus tôt parce que j'ai quand même fait de l'hypnose de façon assez intensive pendant 4 ans. Et je mettais assez facilement, d'ailleurs, les gens en transe. Voilà. Et quand vous êtes en transe, eh bien, vous vous déconnectez de votre conscient. Et ben, vous allez ailleurs, quoi. Vous allez dans un autre monde. Et alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais moi je me suis aperçue que quand je faisais le chapelet, eh bien j'étais déconnectée. C'est-à-dire que là, j'accédais vraiment à un monde, on va dire, supérieur, dans lequel il y avait beaucoup de lumière. Je voyais le visage de Marie.
voir celui de Jésus, et j'avais aussi éventuellement des flashs, voilà, d'un flash d'information, des choses comme ça. Donc ça vous met vraiment en transe. Alors vous ne l'aurez pas tout de suite, en tout cas moi ça m'a pris quand même des mois, hein, parce qu'il faut que ce soit quand même répétitif, mais plus vous allez faire le chapelet, et plus vous allez voir que vous allez passer un peu dans une dimension supérieure, j'ai envie de dire, hein. Parce que vous élevez aussi vos vibrations. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est la prière, hein. Le chapelet, c'est la prière, évidemment. C'est la prière que vous faites. Et plus vous priez, eh bien, plus, moi, je sens en tout cas que j'ai l'énergie qui augmente. Voilà. C'est physique, quoi. Je sens qu'il y a un truc qui vibre. Et ça augmente. Donc, c'est très, très important parce que faire le chapelet régulièrement, d'abord, ça va vous apporter une paix extraordinaire, j'insiste, une paix intérieure extraordinaire. Donc vous allez vraiment retrouver votre joie intérieure et vous allez vous détacher de tous les événements qui sont quand même très traumatisants, hein, ça n'arrête pas. Mais en plus, ça va vous protéger contre les attaques vibratoires assez basses, hein, puisque l'adversaire, que je ne nommerai pas, envoie des histoires, des espèces de vibrations basses, ce qui fait que les gens sont malades, sont déprimés, ont des pensées de suicide, etc. Mais comme vous allez vibrer haut, bah, ça va passer au travers, quoi. Donc vous allez y échapper. Et puis, que dire d'autre? Bah, ça vous permet une connexion directement à Marie, à Jésus, quoi. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire le « Je vous salue Marie » Parce que Marie, c'est la plus proche de Jésus. Donc, en fait, vous vous reliez à elle. Et en vous reliant à elle, eh bien, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des intentions de prière. Donc, demander. Hein, vous pouvez en profiter pour demander. Voilà. Si vous avez un problème, hein, quel qu'il soit, hein, Marie, elle écoute tout problème de santé. Un problème, bah, ça va pas. Un problème financier, hein, c'est quelque chose qui bloque dans votre vie. Eh bien, vous pouvez effectivement faire le chapelet et vous aurez des grâces. Des grâces, c'est des cadeaux, hein, c'est des choses qu'on va vous donner, qui pourront vous apparaître comme des portes qui s'ouvrent, des opportunités, voire des miracles dans les cas de guérison. Et c'est aussi pour ça que, bah, ma foi, on est récompensé quelque part, hein. Et moi, je suis sûre que Medjugorje, ça a été une grâce que l'on m'a faite. Voilà, parce que ça fait quand même depuis au moins 2 ans que j'essaie d'aller à Dozulé, j'y arrive pas. Dozulé, c'est en Normandie, c'est du côté de Caen, et c'est là où il y a les apparitions de Jésus, et je voulais vraiment y aller, mais trop compliqué au niveau de l'itinéraire, c'est galère, quoi, c'est très cher. Et alors que là, Medjugorje, c'est beaucoup plus loin quand même. Là, tout s'est mis en place de façon presque magique, quoi. Et pourtant, on a réservé peu de temps à l'avance, hein, 2 semaines à l'avance, ben on avait tout. Un avion direct, vous vous rendez compte? Avec donc 2 heures d'avion direct qui nous a fait atterrir à Split. Donc Split, c'est en Bosnie. Et après, 2 heures de bus. Ouais. Donc en fait, en tout, j'ai dû mettre 4-5 heures, quoi. Entre le moment où je suis partie à l'aéroport et le moment où je suis arrivée. Donc, c'est rien, quoi. Il y a plus de 1 000 km quand même, hein. Donc c'est rien. Bref, donc je vous raconte ma vie, mais c'est pour vous dire qu'en fait, il y a aussi des portes qui s'ouvrent et qui vous apportent des choses aussi positives. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à le faire, le chapelet. Je vous dis, moi j'ai beaucoup ramé, hein. Donc vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, bah, ça va être automatique. Et en fait, vous verrez que si vous ne le faites pas, ça va vous manquer. Et c'est ça qu'il faut, en fait, hein. Là, j'arrive à le faire tous les jours, grâce à NDLM, hein. Et sinon, bah sinon quoi, que vous dire? Ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les intentions de prière. Alors, si vous êtes resté jusque-là, je vous remercie. Je vous remercie en vous donnant quelques infos top secret d'ailleurs. En tout cas, je voudrais aux personnes qui vont faire le chapelet, qui vont essayer de s'y mettre, qui vont s'y mettre. Alors déjà, encore une fois, ne vous inquiétez pas si ça fonctionne pas. Faites-le à votre rythme. Si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. L'essentiel, c'est de commencer. Si vous interrompez, si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Faites au moins jusque une partie. Donc, au moins jusqu'ici. C'est-à-dire, là, le credo, le Notre Père, etc. Le premier mystère, et au moins 10 Je vous salue Marie. Et puis, reprenez un peu plus tard. Faites-le à votre rythme. Hein. Normalement, pour le faire complètement, c'est une demi-heure. 30 minutes, pas plus. 30 minutes de votre vie tous les jours. Et les bienfaits sont extraordinaires. Et ça, c'est pas du New Age, hein. C'est vraiment
comment dire, les bienfaits du chapelet sont connus. Oui, alors je voulais vous demander pour le fils de Sophie. Donc Sophie a un petit garçon qui s'appelle Matisse, qui est malade, qui a une myopathie, donc qui est en chaise roulante. Donc elle m'a autorisé à vous mettre la photo de son fils. Alors je voudrais que dans vos intentions de prière, vous demandiez à Saint Charbel ou voire à Saint Carlo Acutis, qui est le saint de ma chaîne, eh bien, de demander la guérison pour ce petit garçon. Voilà. Donc si on fait ça tous ensemble, mettons que vous soyez là-haut. On va être optimiste, plusieurs centaines à le faire. Eh bien, vous ne vous rendez pas compte de la puissance de la prière. Alors, ça me fait penser qu'il faut absolument que je vous dise aussi que c'est l'arme, notre arme magique contre le diable. Il déteste le chapelet. Alors, comme le diable déteste le chapelet, on va le faire, évidemment, hein, parce qu'on n'a pas d'autre arme. Voilà, c'est notre arme magique, parce que c'est en faisant le chapelet, que en priant et donc en nous reliant à la Vierge Marie et donc à Jésus, que l'on peut vraiment apporter énormément de bien à ce monde, de bien à vous-même, de bien aux gens pour lesquels vous allez prier, et en fait contrer les actions maléfiques du diable. Voilà. Donc ça, c'est notre arme. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que, en fait, actuellement, tout est fait pour détruire les églises, pour salir, évidemment, les gens. Par exemple, comme l'abbé Pierre, je vais vous faire une vidéo dessus assez rapide, qui était quand même dans la chrétienté, dans le christianisme. Hein. Bon, après, enfin, je vous raconterai ça quand je ferai la vidéo. Hein. Mais on est en train vraiment de détruire tout ce qui est chrétien, de brûler les églises, de les vandaliser, etc. Parce que le diable sait qu'il peut être détruit grâce, bien grâce à la foi et en faisant le chapelet. Alors, ça n'empêchera pas qu'il arrivera à ses fins, le diable, hein, par le biais de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist doit régner 7 ans, c'est écrit. Mais il perdra, voilà. Hein. Et nous, normalement, on ne le verra pas, l'Antéchrist. On sera enlevé, voilà. Enfin, en tout cas, on sera protégé et ça vous protège aussi. Bon. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le chapelet. Alors, information pour vous remercier. Alors, en fait, je pense que les gros problèmes de guerre, moi je les verrais bien vraiment à partir de la fin 2025, début 2026. Ça devrait coïncider d'ailleurs avec un énorme crash financier. C'est plutôt par là que je vois les choses vraiment se dégrader, mais à vitesse grand V, quoi. Et donc l'enlèvement, le fameux enlèvement de l'Église, que personne ne connaît, enfin je veux dire personne ne peut donner la date, hein, parce que Jésus ne le sait pas lui non plus. Donc lui, il ne connaît pas la date, donc c'est pas moi qui vais vous donner la date. Hein. Mais normalement, il est écrit dans la Bible que, alors pas de façon claire, mais enfin, bon, en analysant les textes, que l'enlèvement de l'Église devrait se faire avant l'arrivée de l'Antéchrist. Parce qu'il faut que l'Église, alors l'Église c'est les chrétiens, hein, il faut que l'Église soit enlevée pour que l'Antéchrist pu puisse prendre possession vraiment de la terre. Hein, tant qu'on est là, normalement, il ne peut pas. Alors après, peut-être que je me plante, hein, peut-être qu'on le verra quand même arriver. Mais on ne devrait pas avoir cette histoire de puce de 666. On devrait pas avoir ce chantage. On ne devrait pas le voir. Voilà. Bon. Donc on va demander un peu ce qu'on peut nous dire. Donc ça, c'est des informations astrologiques. Hein, OK? Alors, sachant évidemment que je peux me planter, mais vraiment, par contre, au niveau de la guerre, bon, bah, vous voyez bien les bruits de guerre. Hein. Pourtant, c'est pas encore la bombe, c'est pas encore le truc mondial. Hein. Normalement, c'est quand la Ruru attaquera Israël. Hein. C'est marqué dans la Bible. Hein. Bon, donc pour ça, faut toujours regarder du côté d'Israël. Mais d'un autre côté, c'est bien. Parce que ça veut dire que tout ce bazar aura une fin. Ben regardez, regardez. Vous voyez toujours la carte de l'enlèvement. Hein. Ce bazar aura une fin. Elle est tombée, elle n'est pas tombée pour rien, hein, je vous assure. Hein. Et que, y aura effectivement les histoires de nouvelles terres. Sauf que le New Age, lui, il vous dit tout de suite qu'on va aller vers la nouvelle terre. Non, comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Les gens sont dans un abrutissement total, dans une perversion totale. La terre, elle est complètement polluée. Elle va devenir stérile, à mon avis, assez rapidement d'ailleurs. Hein. On va avoir un problème de nourriture. Et puis, surtout, les gens ont pris la soupe. Je ne le redirai jamais assez. Donc, ça ne peut pas marcher. Le génome humain a été changé. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Donc, faut laisser vos illusions et accepter la vérité, quoi. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais faudra pas venir pleurer parce qu'après, ce sera trop tard. Alors, ah bah tiens, hein, j'ai plein de cartes qui tombent. Là, j'ai la comète qui est tombée. J'ai la perte financière et j'ai les médocs. Bah voilà, c'est exactement ça. Et j'ai le cerveau, oui. Oui, bah c'est ça, oui. Bien, alors on va nous dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fin des temps, hein? Allez, il est dans le bon sens, ouais. Toujours mon petit oracle parce que j'ai fait quand même plein de cartes qui me parlent un peu de tout. Excusez-moi, je vois que vous voyez mon verre. Ben, je bois pas assez, donc j'essaie de boire, quoi. Bon, alors. Mais c'est de la menthe, hein. C'est de l'eau et de la menthe. Alors là, un manque de... Et là, un manque... Le manque et les handicaps. Bon, ok. Alors le manque de quoi, je sais pas. Un manque. Ok. Bon, les pénuries peut-être. En tout cas, un manque de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui va arriver sur la fin des temps? Pour les gens qui ont eu la gentillesse de regarder cette petite vidéo. Alors, on noie le poisson. Tiens, encore les handicaps. Bon, ça, c'est les gens qui vont essayer de s'associer. Ah, bah oui. Toujours, hein. Vous voyez, toujours, toujours à la manœuvre. Hein. Ce sont eux qui préparent l'arrivée de l'Antéchrist. Hein. OK? Bien. Alors, on noie le poisson par rapport à quoi? Là, les gens qui sont, ben, voilà, en mal portant, on va dire. Bon, il y a une résistance qui va s'organiser. Hein. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On noie le poisson, il y a quelque chose qui arrive qui est sur les starting blocks, d'accord? La violence. Alors, on va noyer le poisson par rapport à la violence, je suis désolée de vous le dire. Une violence qui est sur les starting blocks, quoi. Ouais, la violence, ça va augmenter. Ben oui, je sais bien. Donc, faites attention à vous. Une séduction et un handicap. Alors, une séduction par rapport à quoi? Attendez. Par rapport au criminel. Les criminels qui vont avoir gain de cause. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti la carte des handicaps, là. Les gens qui sont mal en point. Les femmes et les enfants. Ah oui, d'accord. C'est aussi une aide. Hein, parce que, en fait, la carte, elle n'est pas que sur le handicap, elle est surtout sur cet homme-là qui aide quelqu'un. Donc, il y a une aide qui ne sera pas apportée. Qui ne sera pas apportée par rapport à la criminalité. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que les femmes et les enfants fassent attention, puisque ce sont les personnes, évidemment, les plus faibles. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ne voyez, regardez, ces deux cartes vont bien ensemble. Hein. Il ne faut compter que sur soi. Moi, je pense, j'avais dit il y a 2-3 ans que le gouv va être dépassé par le chaos qu'il va lui-même mettre en place et qu'il ne faudra pas s'attendre à des aides, hein, que ce soit financière ou que ce soit par rapport à la criminalité ici qui va augmenter. Vous voyez, ils vont noyer le poisson. Donc là, c'est aux gens de se réunir, gens de bonne volonté de se réunir, pour les questions de nourriture aussi d'ailleurs, mais pas que. Ne comptez que sur soi. Bon, mais ça, c'est clair. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah là, tiens, tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui est malade, là. Alors, attendez. On va regarder par là. Des informations qui ressortent. Ah, tiens. Alors là, c'est curieux parce que... Alors, eux, là, il y a quelqu'un qui va être malade, mais il y a un rassembleur qui va arriver. Et ça, c'est vraiment, c'est une bonne carte. C'est quelqu'un qui est sincère. Le rassembleur, le bon leader. Mais il y a quelqu'un qui est malade. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à le... Voilà. On va le réétaler. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors là, il y a... Attendez, je vois par ça qu'il vous a un reflet. Il y a quelqu'un qui saura parler aux gens, mais il y a quelqu'un de malade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va coincer. Bon, ben moi, je pense que c'est toujours le même. Je pense que c'est Donald. Vous savez que j'ai fait deux autres tirages sur Donald que je n'ai pas posté parce qu'ils sont vraiment négatifs.
Et c'est marrant parce que je ressors cette carte-là pour Donald. C'est comme si il allait être mis, comment dire, hors d'état, quoi. Voyez, ça coince. Il y a un blocage. Je vous avais dit aussi que Joe allait être remplacé, hein. Bon, j'avais dit qu'il allait être remplacé par une femme. Hein, je vous l'ai dit, dans la Joe va-t-il être remplacé? On va voir si ça va être une femme qui va concourir comme candidate. Mais enfin, moi, je voyais une femme. On va voir. En tout cas, là, j'ai un bon leader qui sait parler aux gens, mais qui, vous voyez, il va être mis hors d'état. Et ça va être du fait des maçons faux, des maçons menteurs. Vous prenez l'inverse. Hein. Ouais, il va y avoir un truc, il va y avoir une catastrophe qui va arriver. Mais je pense que c'est Donald. Alors, bon, je sais que je me suis fait beaucoup de critiquer sur Donald. Je l'aime pas particulièrement, hein. Mais pour le peuple américain, apparemment, ce serait un bon leader, quoi. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui est en route là. Ouais, bah, toujours le même. Hein, vous voyez, il y a quelqu'un qui va faire en sorte qu'il ne puisse pas accéder au pouvoir. Et moi, je pense que ce sera au cours d'un déplacement. Parce que ça ressort toujours dans mes cartes. Le déplacement de Donald, il va falloir vraiment qu'il fasse gaffe. Parce que moi, je vois un problème. Et ça, ce serait août-septembre dans ces eaux-là. Voilà. C'est toujours son adversaire inconnu, là, qui va le mettre, à mon avis, hors d'état de nuire. Vous voyez, qui est en train de calculer des choses. C'est un homme intelligent. Alors là, j'ai des histoires de SMS. Ils sont en train de s'organiser. Ouais, y a bien un déplacement. Bon, ok. Bon, on va laisser Donald de côté, mais moi, je ne le vois pas arriver au pouvoir. Non. C'est plusieurs fois que je vous le dis, hein. C'est pas parce qu'il est parti pour gagner qu'il va arriver au pouvoir, hein. Ce sont vraiment deux choses différentes, hein. Oui, il est parti pour gagner, mais moi, je pense que les autres, là, les maçons menteurs, ne vont pas le laisser gagner. Je partage complètement l'analyse de Aldostérone, que vous connaissez peut-être. Je ne le vois pas gagner. Bon, ok. Alors, la fin des temps. Donc, mettons que Donald ne gagne pas, que j'ai raison. Il y a la résistance qui s'organise, on ne peut compter que sur soi. Malheureusement, la criminalité. Donc, les femmes et les enfants sont vraiment en danger et le gouv va noyer le poisson par rapport à la violence qui est sur les starting blocks. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Peut-être revenir un peu sur la France. Alors, un oasis. Ah, bah, toujours l'oasis des pédalos. Hein. Ah, c'est bizarre. Hein. Toujours eux. Hein. Quelque chose qui fait demi-tour. Hein, qu'est-ce qui fait demi-tour et pourquoi j'ai un oasis et pourquoi j'ai les pédalos là? Ah, d'accord. Oasis. Ah, c'est intéressant. Ok. Ouais, voyez, regardez, vous avez toujours la sursang par rapport au pédalo. Moi, je ne vois pas ce problème être résolu. Non, parce qu'ils ont le pouvoir. C'est les mêmes. Hein. Allez écouter le témoignage des survivantes. Ouais. Je prie pour les enfants, moi, toutes les semaines, hein, pour que ces horreurs s'arrêtent. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore maintenant. Donc voilà, sursang par rapport au pédalo, les cartes parlent d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on a ici? Demi-tour des vacances. Bon, alors, je sais pas. Ou alors de retour des vacances, plutôt, m'a dit, enfin, quoi. Ouais, de retour des vacances. Ah, de retour des vacances, ils vont nous refaire le coup de ça. Tiens, une information intéressante. Ouais, je voyais pour 2025, oui, bon, ok. Ça va commencer, effectivement, d'ici quelques mois. De retour des vacances. Ok, bon, bah voilà, vous êtes prévenus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'oasis? C'est les gens qui chantent en chœur. Parce que là, c'est quelque chose, la paix. Le genou humain, oui. La voix de la raison. C'est intéressant, ça. Des champignons, des choses qui se développent. Le gel des communications. Je crois que ce sont deux cartes différentes. Je vais réexplorer par là. Bon, là, j'ai compris, je vous dirai après. Par contre, là, j'ai plus de mal. Ouais. Non, j'aurai rien d'autre. Je vais mettre une carte là, attendez, avec les mots.
Parce que c'est un moment de paix, de calme. Et ça, c'est les gens qui chantent en chœur. Alors, ça peut vouloir dire que les gens qui seront dans la spiritualité seront tranquilles. C'est possible. Il y a une paix intérieure, là. L'oasis, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez ni d'eau, ni de nourriture. C'est possible que ce soit ça. Attendez, on va demander. Éphémère. Ah oui, d'accord. Par contre, ce sera de courte durée. Oui, ça, c'est possible aussi. Égoïsme. Ah, ben, ça, non, égoïsme. Ouais, bon, ça va pas ensemble. Éphémère, où je comprends, par contre, égoïsme. Non, pas vraiment. Rivalité. Rectifier. Alors là, je vois pas trop. Désolée. Bon, ça, je comprends. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai égoïsme. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont ces gens-là? Est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont dans la spiritualité, les gens qui portent un fardeau et qui essaient de dénouer les fils d'un problème? Ouais. Bon, égoïsme, je ne saurais pas vous l'expliquer, je suis désolée, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine partie de la population là qui se serre un peu les coudes. C'est possible que ce soit ça aussi, hein. C'est peut-être pas la religion aussi, qui porte un fardeau, qui va essayer de trouver une solution et qui va avoir encore un peu la paix, mais ça va être éphémère. Là, je pense aussi que, ouais, il y a des gens qui vont essayer de se battre contre le gouv, de rectifier, donc de corriger les erreurs, mais ils vont pas y arriver, à mon avis. Ouais, c'est secret. Ouais, il y a des gens qui travaillent. On va dire des pirates sympas, on va dire, qui vont essayer, voyez, de détruire le pouvoir en place. Mais à mon avis, bof. Ouais, ça va crasher. Ou alors ils vont provoquer un crash, t'en avoir regardé. Ah, c'est possible. Ouais. Espoir. Il y a une résistance qui s'organise, hein. Il y a une résistance qui s'organise dans l'ombre, qui va essayer de contrer le pouvoir et de le faire crasher. C'est intéressant. Bon, pour l'instant, j'en sais pas plus, ok? Ici, ça c'est aussi, c'est intéressant, c'est qu'il va y avoir un problème de nourriture. Et que, à mon avis, ça va se dégrader. La situation en France va se dégrader. Parce que y a des gens qui vont piller, qui vont voler, vous voyez, pour avoir accès à la nourriture. Alors attention aussi au cambriolage, hein. Bon, alors ici c'était autre chose. Là, pour moi, je verrais bien la raison, voir les lanceurs d'alerte qui vont prévenir ici par rapport à la double hélice. Vous savez, on avait sorti la soupe là juste avant. Eh bien, à mon avis, il va y avoir encore des gens qui vont dire attention, ne prenez pas, ne faites pas, ne prenez pas la soupe parce que ça change la double hélice, vous voyez, d'où la sagesse. La raison, le conseil, mais ça va être gelé, la communication. On va regarder le champignon. Donc on va nous empêcher d'avertir les gens, quoi. Merci Ursula. Bon, bah là, ce qui va se passer, c'est que les gens vont partir. Parce que ces histoires d'ancrage, là, c'est qu'il va vraiment y avoir des choses qui vont se développer, qui vont s'implanter, qui va pousser comme des champignons. Et là, je vois les gens partir. Alors, qu'est-ce qui pousse comme les champignons? Ben, certainement les choses pour nous surveiller, je pense. Ouais. Puis en plus, il y a la crise. Ça, c'est quelque chose qui se développe, hein. La crise. Les gens vont partir pour éviter la crise et pour éviter le crash. Vous allez avoir énormément de gens qui vont partir, qui vont quitter la France. Parce qu'il y a une invasion, vous voyez. Alors, ce n'est pas l'invasion des extraterrestres, c'est l'invasion, invasif, des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, donc qui sont d'un autre monde, hein, qui viennent là avec leur désir de destruction et d'imposer leurs valeurs à eux et leur monde à eux. C'est ça. Il va y avoir une invasion. Ouais, vous voyez. La prison, le repos. L'eau.
les gens vont vouloir éviter justement les restrictions ou les privations. Ils vont vouloir trouver un endroit où ils pourront en fait avoir satisfaction de leurs besoins vitaux. Hein. L'eau, c'est vital. Et avoir la paix. Ils vont partir. Bon, ok. Donc la fin des temps, ben, pour l'instant, j'ai ça. L'invasion. La résistance qui s'organise. Les histoires de piquettes qui reviennent. Alors, information, autre information importante pour nous, peut-être. Les pillages, vous voyez, je vous avais dit. Hein. Ouais, les pillages et le déni des gouves. Ils ne vont rien faire. Les choses qui s'épanouissent. Oh, ça, c'est une belle carte. Ah, bah oui, c'est Dieu. Je me disais bien aussi. Dieu qui laisse les choses aussi aller jusqu'au bout, mais il y a quand même aussi ici une promesse de bonheur, ça. Je sais pas comment vous dire. Ouais, il y a une promesse de bonheur là. La mise à l'abri, la protection. Étape du plan qui continue, oui. Ouais, vous voyez, regardez. La protection. Si vous faites le chapelet, vous serez protégé. C'est Dieu qui nous le dit, hein. Dieu protège les siens. Hein. N'allez pas croire que vous ferez ça en vain. Bon, par contre, ici, par rapport au pillage, ben, ils suivent leur plan. Donc, ils seront dans le déni. Hein. Voilà, ils vont fermer les yeux. Puis, je pense que les médias n'en parleront pas. Voilà. Ah, quand même. Je me disais bien aussi. Ben oui, quand même. Parce que Dieu nous dit qu'on sera protégé. Vous voyez, la foi. Mais la protection, et voyez l'enlèvement, il sort tout le temps et il se rapproche. Je ne peux pas vous donner des dates d'enlèvement parce que personne ne le sait, Jésus non plus. Mais pour moi, il se rapproche. Il se rapproche. Si je devais donner des dates, je dirais dans les 2 ans. Mais c'est vraiment pour me pousser dans mes derniers retranchements. Hein. Parce que tenez, je vois une guerre dans les 2 ans et que normalement l'Antéchrist va arriver pour éviter la destruction totale de la planète. Hein. Eh bien, ça correspond. Bon, il va y avoir beaucoup de jeunes criminels dans la drogue aussi qui vont piller. Hein. C'est grave ce qui va se passer. C'est pour ça que vraiment, demandez la protection. Hein. Vous serez protégés. Hein. Protégez les enfants. Alors, les enfants seront enlevés. Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit. Qui est-ce qui sera enlevé? Évidemment, les gens qui auront donné leur vie à Christ. Hein. Qui resteront en Christ, c'est important aussi de le dire. Donc ça suffit pas de prier et de faire votre chapelet, il faut aussi vraiment y mettre tout votre cœur. Hein. Il faut vivre en Christ. Donc faut qu'il fasse partie de votre vie. Hein. Faut que vous l'intégriez à votre vie, à votre quotidien, à vos pensées. Alors qui sera enlevé? Les enfants, les petits-enfants, les enfants, tous ceux qui seront trop jeunes pour faire vraiment un choix en conscience. Parce qu'on va avoir un choix à faire par rapport au pacte avec le diable, hein. La marque, le 666, etc., la puce. Bon, donc les enfants seront enlevés. Normalement, les animaux aussi. D'après ce que j'ai compris, moi, je ne pars pas sans mon chat, hein. Enfin, mes chats. Hein. Donc, les enfants seront enlevés. C'est pour ça que j'espère vraiment que tous ces gosses qui souffrent, là, eux seront enlevés, c'est évident. Hein. Bon, par contre, là, vous voyez. Il n'y aura rien qui sera fait par rapport au vandalisme, au pillage. Hein. Voilà, la seule solution sera de se mettre dans des bunkers. Donc, il y a des riches qui auront peut-être des possibilités de se mettre en sécurité ou d'avoir des structures de sécurité. Ah oui, d'accord. Alors, attendez. Ah, ça, c'est autre chose. Une surveillance qui va s'installer. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. D'accord. Ah oui, non, ça, c'est les gens qui vont réclamer la surveillance parce qu'ils vont en avoir marre. Ah, donc les gens vont demander eux-mêmes. À ce qu'il y ait davantage de sécurité qui soit installée. Ah, mais d'accord. Ouais. Parce qu'il va y avoir trop de blessures. Bon, bah, c'est stratégique, vous voyez, tout ça. Donc, on va bien vers une société de surveillance, et c'est ce que je vois aussi. Bon, ok. Donc, en fait, ils vont dire, ah ben, ok, donc la criminalité, ben, ok, ben, on va mettre davantage de surveillance. Voilà. Alors, bouée à la mer, aide. Aide dans une situation de panique. Ouais. Ah oui. Bon, là, on a des choses dans le ciel qui arrivent. Et ben voilà, le QR code. Bon, d'accord.
Oui, donc ça va beaucoup se bousculer. Vous avez absolument tout, je vous ai tout dit. Et c'est exactement ce que disent les prophéties. Vous allez avoir tout. Un gouvernement qui, un gouffre qui va démissionner, qui va laisser les gens face au pillage, au cambriolage, à la violence, mais qui va dire, vous voulez davantage de sécurité, eh ben allons-y. Donc on va installer une société de surveillance avec le QR code, le numérique. Au même moment, bah, vous aurez, voilà, les fusées dans le ciel, c'est les missiles, hein, faut dire la vérité, hein. Ça va commencer, mais vous aurez l'enlèvement. Vous voyez, on retombe toujours, donc c'est que ça se rapproche, hein. Ça se rapproche. Alors, une annonce de quoi? De feu, donc de destruction, de guerre, de tout ce que vous voulez. Voilà, de conflit. Et je vous dis, hein, le volcan, voilà. Donc, ça va exploser. OK? C'est explosion, ça. Bon, vous avez tout. Donc, vous avez le temps encore de bien vous préparer. Que vous dire d'autre? Ben, bonne prière à tout le monde, bon chapelet. Et vous verrez que tout ira bien. Moi, j'en suis persuadée, puisque tout est écrit. Donc, laissez le New Age qui ne vous apportera rien, qui va vous apporter de la confusion, puis vous verrez qu'en fait, vous n'avancerez pas. Alors que si vous faites le chapelet, et si vous le pouvez, mais c'est pas obligé, hein, si vous le pouvez, allez faire un petit tour à Douzulis si vous n'êtes pas très loin de la Normandie. Hein, on ne vous demande pas d'aller à Bédugorier, hein, c'est un peu loin. Mais allez dans des endroits où vous avez eu des apparitions de Marie ou de Jésus. Si vous voulez, si vous pouvez, si ça ne vous coûte pas trop cher. Vous allez trouver une paix. Et je vous assure, une fois que vous l'avez trouvée, cette paix, elle ne vous lâchera plus. Voilà. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon blabla et je vous dis à bientôt. Au revoir.